c'est une famille en deuil qui ne demande qu'à trouver la paix. Tout un symbole, la sœur de Victorine laisse cette colombe prendre son envol sous les applaudissements de plusieurs milliers de personnes parées de blanc. Hommage à la jeune fille à quelques mètres des lieux de sa disparition. Proches et anonymes viennent déposer des fleurs au pied de cette croix. Se sentent tous touchés. C'est terrible. Personnellement, je ne connais pas, mais voilà, je suis soudé pour elle, quoi, pour la famille. À l'appel de la famille de Victorine, le cortège s'élance sur 2 km en direction du quartier des Fougères où résidait l'adolescente. Un trajet là aussi symbolique, celui qu'elle aurait dû emprunter le soir de sa disparition. Arrivée sur place, nouveau moment de recueillement. Tu nous laisses ton visage d'ange et seras toujours belle aux yeux de tous. Je t'aime, ma sœur. Dans toutes les têtes, les questions auxquelles l'enquête devra répondre. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça a des limites? Est-ce que c'est des personnes comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la loi va changer? Est-ce que ça, il va avoir encore des victimes, des femmes seules qui ne peuvent pas se protéger? Les obsèques de la jeune fille auront lieu mercredi prochain.